Dans cette vidéo, on va parler des aménagements cyclables avec Yves. Bonjour Yves. Bonjour Margot. Alors déjà, il y a un premier problème à Nantes, c'est que la part des déplacements en vélo n'augmente plus. Il y a des moyens qui continuent d'être alloués, ils sont là, mais c'est pas suffisant puisque la part des déplacements en vélo n'augmente pas. Et la raison derrière ça, elle est véritablement politique, c'est qu'on donne la priorité à la voiture par rapport aux cyclistes. Et ça, ça se voit dans l'usage quotidien du vélo. Est-ce que Yves, tu peux nous donner quelques éléments de diagnostic? Tout à fait. Alors, on se base sur les chiffres et les remontées de Vigilo Nantes et du baromètre vélo. Et grâce à ces outils, on peut voir des discontinuités, par exemple le boulevard d'Albi, sur lequel il n'y a pas d'aménagement cyclable. On peut voir des problématiques lors des intersections, par exemple le pont Anne de Bretagne avec le quai de la Fosse, qui n'est vraiment pas fait pour les vélos. On a aussi tout ce qui est problématique au niveau stationnement en épi pour les boulevards des Belges par exemple, qui sont dangereux pour les vélos lorsque les voitures en ressortent. Et on a des nouvelles infrastructures telles que les aménagements cyclistes entre la préfecture et Valdec qui ont coûté 3,6 millions d'euros et qui pourtant ne sont pas facilement utilisables au quotidien. Ok, et pourtant il y a plein d'exemples de plein de villes où les déplacements en vélo sont hyper faciles et sont très importants, où il y a des parts modales hyper importantes. Donc on cite souvent Utrecht ou Copenhague, mais on peut aussi parler de Gand en Belgique, où il y avait un objectif de 35% des déplacements en vélo pour 2030 et cet objectif a été atteint en 2019. On peut aussi citer la ville de Oslo, où les voitures en 2019 n'ont tué aucun cycliste et aucun piéton, alors qu'à Nantes, on a des dizaines de cyclistes ou piétons qui meurent chaque année. Et tout ça, il semblerait que la volonté politique ou la priorité de cette ville-là, c'était d'abord les aménagements cyclables ou le réseau cyclable. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'ambition que nous portons pour Nantes et pour la métropole? Tout à fait. Nous avons des propositions qui sont vraiment basées sur ces modèles positifs, pour le coup, d'un réseau donc, à trois niveaux. Donc un premier niveau métropolitain, un deuxième au niveau de Nantes, puis ensuite quartier par quartier. Pour le premier niveau, donc le niveau réseau express métropolitain, l'idée c'est de desservir les zones d'activité ainsi que les communes Nantes, mais aussi les communes de toute la métropole. Pour ça, donc, on a une infrastructure qui est prévue pour la moyenne et longue distance et donc va avoir des aménagements cyclables complètement séparés du trafic motorisé avec priorité à chaque intersection au vélo par défaut et une lisibilité et une simplicité du réseau afin de pouvoir facilement effectuer ces grandes distances sans se perdre. Et pour ça, on ne va pas réinventer tout de zéro, mais se baser sur l'actuel et améliorer les points problématiques et le compléter avec les sections qui manquent. On a ensuite un deuxième niveau qui est le niveau structurant de Nantais, donc qui lui, l'objectif c'est d'être efficace au quotidien, de pouvoir desservir les commerces de proximité et de pouvoir se déplacer de quartier à quartier. Il doit être homogène et rassurant. Pourquoi homogène? C'est pour ne pas être perdu, par exemple, sur les priorités aux intersections. Et rassurant, donc pour ces intersections, elles doivent être aménagées pour les cyclistes afin de rendre un peu ce sentiment de sécurité qui est perdu actuellement. Il faut savoir que notre objectif pour ce réseau structurant, c'est qu'il soit utilisable par les enfants tout comme par les coursiers cyclistes. Et on a enfin la troisième partie de ce réseau qui est l'apaisement des zones résidentielles. Donc là, l'objectif, c'est de rendre attractif vraiment les déplacements de la porte de son immeuble ou de sa maison jusqu'à son lieu de destination. Et donc, ça ne va pas forcément commencer avec un aménagement cyclable dès le départ, mais par des zones apaisées où les piétons et les cyclistes ont la priorité sur les voitures. Très bien, merci. Et bien donc c'est la première étape pour essayer d'atteindre une part modale pour les vélos de 20% en 2030. Maintenant, on va s'interroger, on va regarder comment est-ce qu'on va apaiser chaque quartier nantais, qui était la première étape qui a permis à Gand d'atteindre une part modale de 35% en 2019.